Please be seated. Mr. McCloskey, you may proceed. Thank you, Mr. President. Now, we left off with General Mladic yelling at Colonel Karamanz. After the yelling stopped, Mladic continued to berate the Dutch VAT officers and intimidate them by making references to life and death and asking Karamanz whether he wanted to see his children again. Mladic demanded that Karamanz find a Muslim representative and bring him back to the hotel that evening. Karamanz was able to find a local schoolteacher, Nezib Mandjic, willing to fulfill the role as Muslim representative. I won't play you the video of the second meeting now, but I will show you a still of a then young Nezib Mandjic. During this meeting, a pig was slaughtered right outside the window where they were seated. The screams of the animal going on and on, further intimidating the Dutch VAT officers. At one point in the meeting, Mladic focused on Mr. Mandjic and said, "In order to make a decision as a man and a commander, I need to have a clear position of the representatives of your people on whether you want to survive, stay, or vanish. I am prepared to receive here tomorrow." Je suis préparé à recevoir demain à 10 heures une délégation de représentants musulmans avec lesquels je discuterai de la façon de sauver votre peuple de l'enclave. Mladic poursuit en disant, Nezib, l'avenir de votre peuple est entre vos mains. Fais venir les gens qui peuvent garantir la remise des armes et sauver ton peuple de la destruction. Tout est entre tes mains. Fais venir des gens importants, des notables d'ici. Ici, nous pouvons voir que Mladic est obsédé par le sauvetage et la destruction du peuple musulman. Il ne s'agit pas simplement de paroles en l'air pour la caméra, puisque c'est ce soir même que Mladic et ses officiers ont pour la première fois pris des décisions portant sur le plan d'assassiner les hommes et les garçons musulmans. Comme je l'ai déjà dit, au moins 1000 hommes musulmans valides ont accompagné leur famille à Potocari. Tôt le matin du 11 juillet, la VRS, depuis ses position surplombant Potocari, pouvait voir des centaines et des centaines d'hommes valides parmi la foule présente à Potocari. Momir Nikolic avait reçu cette information et l'a transmise le long de la chaîne. Le général Mladic, le général Krstić et d'autres officiers de haut rang étaient présents ensemble à l'hôtel Fontana. Ils ont décidé soit ce même soir, soit tôt le lendemain matin, qu'en entrant dans Potocari et en prenant le contrôle de la population qui s'y trouvait le lendemain, le 12 juillet, il séparerait tous les hommes et les garçons âgés de 16 à 60 ans et les retiendrait à Bratunac pour qu'ils y soient exécutés. Mladic a tenu une troisième réunion à l'hôtel Fontana à 10 heures du matin, le 12. Et son plan meurtrier a commencé à se révéler lors de cette réunion. Je ne vais pas vous présenter l'enregistrement vidéo maintenant, mais je préférerais vous montrer plutôt une image fixe, une photographie devant l'hôtel Fontana, juste avant la réunion. À gauche, tout à fait à gauche, on voit Momir Nikolic, à côté de lui Radislav Jankovic, puis en allant vers la droite, un gardien de la sécurité, et tout à fait à droite, Vujadin Popovic. À 10 heures du matin,
Lors de cette réunion, Mladic a dit aux officiers du bataillon néerlandais et aux représentants musulmans présents à peu près la même chose que ce qu'il avait dit à M. Mandžić la nuit précédente. Je cite, « Comme je l'ai dit à cet homme hier, vous pouvez soit survivre, soit disparaître. Pour votre survie, j'exige que tous les hommes armés, même ceux qui ont commis des crimes, et ils sont nombreux à l'avoir fait, des crimes contre notre peuple, remettent leurs armes à la VRS. » Fin de citation. Vous le verrez dire cela dans l'enregistrement vidéo pendant le procès. J'en viens à la partie essentielle. Mladic a également dit à ce groupe lors de la troisième réunion qu'il procéderait à une inspection de tous les hommes, dont l'âge était compris entre 16 et 60 ans, afin de déterminer s'il s'agissait de criminels de guerre. Cette affirmation a été coupée dans l'enregistrement vidéo que nous avons reçu, mais les officiers du bataillon néerlandais s'en sont souvenus très clairement et déposeront en indiquant que Mladic a bien dit cela. À partir de ces propos, il est tout à fait clair que Mladic et ses officiers les plus haut placés avaient réfléchi à ce qu'il convenait de faire des hommes et des garçons valides de Srebrenica bien avant le matin de cette réunion et qu'au matin du 12 juillet, ils avaient décidé de les séparer de leur famille, ainsi que Mladic l'avait déclaré. Mais leur décision ne se résume pas à cela. Après la fin de cette réunion, le lieutenant-colonel Popovic a brièvement rencontré Momir Nikolic à l'extérieur de l'hôtel. Il lui a dit que les hommes valides de Potocari allaient être séparés de leur famille et tués. Popovic a demandé à Nikolic de lui fournir des sites dans les alentours qui seraient appropriés pour les exécutions. Nikolic déposera à ce sujet et indiquera qu'il a dit à ce moment à Popovic que la vieille mine de Sassé serait un bon endroit pour faire cela, tout comme l'usine locale de briques. Au début de l'après-midi du 12 juillet, les forces de la VRS et du MOUP avaient gagné Potocari et pris le contrôle de l'ensemble du secteur. Ils tenaient aussi sous leur contrôle la masse de civils musulmans. Peu après la prise de Potocari, des autocars et des camions sont arrivés de toute la Bosnie. La VRS et le MOUP ont alors entamé le processus consistant à faire monter les femmes et les enfants à bord d'autocars qui les emmèneraient vers des territoires contrôlés par les musulmans et à séparer et détenir les hommes et les garçons musulmans pour les exécuter. Il est significatif qu'il y ait eu peu ou pas du tout d'inspection des hommes et des garçons. Leurs papiers d'identité et leurs effets personnels leur ont été confisqués et ont été jetés. Aucune liste de noms n'a été dressée et il n'y a eu aucun effort notable d'identifier qui que ce soit. Les hommes n'ont reçu aucun vivre, aucun soin médical. Ils ont reçu très peu d'eau et ont été entassés dans des bâtiments sous la canicule, à 40 degrés, dans des conditions effroyables, dans lesquelles nombre d'entre eux ont été battus et certains ont été tués. Vous entendrez d'un fonctionnaire local qui devait enlever plus de 50 corps répartis à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment Bratunac, à quels endroits ils étaient détenus. Le fait qu'il n'y ait eu aucun enregistrement et qu'aucune procédure, même élémentaire, n'ait été suivie, ajoutée aux conditions terribles du traitement qui leur a été infligé, ne peut signifier qu'une seule chose. Au 12 juillet, Mladic n'avait aucune intention de laisser ces hommes survivre. Mladic était présent à Potocari et à Bratunac les 12 et 13 juillet, alors que la séparation, la détention et les assassinats étaient en train de se produire. Ces hommes en avaient la charge, y compris le colonel BRA et le lieutenant-colonel Jankovic. Au cours des 12 et 13 juillet, la VRS et le MOUP, les forces de la VRS et du MOUP ont chassé environ 30 000 femmes, enfants et personnes âgées vers des territoires contrôlés par les musulmans et détenu plus de 1000 hommes et garçons musulmans à Bratunac, y compris des garçons de moins de 15 ans et des hommes âgés de 65 à 70 ans. Je vais maintenant vous donner un très bref aperçu
d'une partie de ce qui se passait à Potocari les 12 et 13 juillet. Vous verrez des gens terrifiés et des alignements d'hommes après qu'ils avaient été séparés. Et ceci n'est qu'une petite partie de ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous ne pourrons jamais en mesurer toute l'horreur. Je voudrais que nous visionnions ce court extrait. On that last clip, you finally saw. Dans cette dernière séquence, vous avez pu voir à la fin qu'il n'y avait plus que des hommes qui avaient été séparés et envoyés d'un côté de l'aliment d'autocar. Mladic était à Potocari, s'adressant à la population et organisant le transport. Dans un ordre du corps de l'Adrina du 12 juillet, le général Jivanovic se réfère à un ordre de Mladic au fin d'obtenir 50 autocars. Donc Mladic, en même temps qu'il posait pour la caméra, travaillait aussi et commandait ses effectifs à Potocari. Au début de l'après-midi du 12 juillet, Mladic a eu une conversation radio qui a été interceptée. Nous en avons le texte et je voudrais le présenter. X, oui, général, Mladic. Est-ce que les autocars et les camions sont partis? X, oui. Mladic, quand? X, il y a 10 minutes. Mladic. Bien, excellent. Continuez à suivre la situation. Ne laissez pas de petits groupes d'entre eux se faufiler. Ils ont tous capitulé et se sont rendus. Et nous allons tous les évacuer, ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas. Fin de citation. Les musulmans n'avaient absolument aucun choix. Ils allaient tous être expulsés par Mladic. Le soir du 12 juillet, Mladic a organisé un dîner avec les commandants de brigade pour célébrer leur succès à Srebrenica. Lors de ce dîner, Mladic a émis des ordres destinés aux commandants de brigade afin que ces derniers préparent leurs effectifs à marcher sur Jepa dès le lendemain et qu'ils entament immédiatement des préparatifs pour l'attaque de l'enclave de Jepa. Je voudrais maintenant revenir sur ces quelques 15 000 hommes musulmans qui avaient quitté l'enclave dans la soirée du 11 juillet pour essayer de se frayer un chemin à travers des territoires contrôlés par les Serbes pour gagner d'autres territoires contrôlés par les musulmans près de Tuzla. Sur ces 15 000, il est probable qu'un tiers des hommes étaient armés et ouvraient la voie en tête de colonne. Nous considérons que près de la moitié de ces hommes ont réussi à gagner l'enclave et à traverser la route goudronnée Bratunac, Konjević Polje, Milici le 12 juillet, avant que les forces serbes n'aient l'occasion de fortifier la route en y postant soldats et véhicules blindés. Il s'agit là de la route sur laquelle j'ai brièvement attiré votre attention il y a quelques instants. Ces quelques 7000 hommes ont fini par parvenir dans le secteur de Nezouk, où, après de nombreuses heures de combats intenses contre les forces de la brigade de Zvornik, un corridor a été ouvert et le passage a été possible pour des milliers de musulmans de Srebrenica. Ceci s'est passé le 16 juillet
après que au moins 40 morts aient été infligées aux Serbes. Et je voudrais maintenant vous montrer une représentation graphique sur une carte du chemin parcouru par la colonne. Pour commencer, voyons le curseur qui est à Jagliči pour vous montrer comment avance la colonne. Elle avance vers Nova Kasaba, Konjević Polje et Serska, en traversant la rivière Drinjača vers Adjici et la ville de Nezok, qui se situe sur le territoire qui est entre les mains des musulmans. La ligne mauve entre Nezok et Adjici représente la ligne de confrontation, et c'est là qu'il y a eu des combats très intenses qui ont éclaté le 15 et le 16 juillet entre la colonne musulmane et les forces serbes vers Tuzla. Alors, reparlons maintenant du 12 juillet. Parlons des musulmans qui n'ont pas réussi à traverser la route goudronnée. Alors, ils se sont retrouvés coincés derrière ce mur de forces serbes déployés le long de la route entre Kravica, Konjević Polje et Nova Kasaba. Tout comme les hommes et les garçons de Potočari, bien, ils allaient mourir. Et très rapidement, on les exécutera sommairement. En fin d'après-midi du 12 juillet, la police spéciale de la RS, agissant sous les ordres de Mladic, a déployé des hommes le long de cette route et a piégé jusqu'à 6000 personnes de la colonne qui n'ont pas réussi à traverser la route asphaltée. Dans la matinée du 13 juillet, nombre de ces hommes piégés ont été capturés le long de la route ou bien ils se sont rendus. Des exécutions en masse organisées commencent dans la matinée du 13 juillet. À ce moment-là, 15 prisonniers musulmans ont été emmenés à bord d'autocars depuis quelques kilomètres de l'endroit où on les a capturés le long de la route et ils seront exécutés sommairement par un peloton d'exécution sur les rives de la rivière Jadar. Et nous avons un survivant de ce massacre, vous entendrez sa déposition. Pendant la journée du 13, à peu près 5 à 6 000 musulmans ont été capturés et ils ont été gardés dans des groupes assez importants dans les prairies près des villages de Sandici, Konjević Polje et Nova Kasaba. Je me propose de vous montrer un extrait vidéo bref de quelques musulmans capturés dans le secteur de Sandici. Près d'un entrepôt, d'un grand entrepôt près du village de Kravica. You just saw. Vous venez de voir Ramo Osmanović qui appelle son fils Nermin pour qu'il sorte des bois. Il a été forcé à le faire par le soldat du MOUP. Ramo et son fils Nermin, tous les deux, ils ont été tués par les forces de Mladic et ils sont enterrés dans les charniers. Et leurs restes ont été retrouvés et identifiés. Les exécutions organisées se sont poursuivies tard dans l'après-midi du 13. Environ 1000 musulmans ont été assassinés dans l'entrepôt qui se situe près du village de Kravica. La même personne qui a filmé Ramo a enregistré également une partie des exécutions qui ont eu lieu à l'entrepôt de Kravica. Et je vais vous montrer ces images
avec un ralenti que nous avons ajouté à la fin. Le caméraman se trouve dans la voiture qui avance devant l'entrepôt de Kravitsa et vous verrez des corps entassés devant l'entrepôt. Il va y avoir des témoins qui confirmeront cela. On entend des coups de feu également. By the early evening of 13 July, en début de soirée du 13 juillet, il y avait plus de 1000 musulmans détenus dans la ville de Bratunac et il y en avait jusqu'à 5000 le long de la route asphaltée. À ce moment-là, le plan change. Mladic et Karadzic décident de déplacer les prisonniers vers le secteur de Zvornik pour les assassiner. Loin de la force prenue et des ONG déployées à Potocari et à Bratunac. Vous verrez une conversation interceptée entre Karadzic et le chef du parti politique de Bratunac, Miroslav Deronic, qui parle du déplacement des prisonniers vers les entrepôts loin pour les placer loin de Bratunac. Et Momir Nikolic vous donnera les détails de ce plan. En fin d'après-midi du 13, Mladic revient de Bratunac vers son poste de commandement de Tsarnaïeka et il avance le long de la route en passant par Kravitsa, Sandici, Konichponi, Nova Kasaba. Et le long de cette route, il y a beaucoup d'hommes musulmans qui sont détenus par groupe. Et Mladic s'est arrêté et il leur a adressé la parole et leur a promis qu'ils allaient être échangés. Et peu après avoir parlé aux musulmans de la prairie de Sandici, plusieurs centaines de prisonniers ont été emmenés à l'entrepôt de Kravitsa, qui n'était pas loin, et y ont été assassinés. Pendant que Mladic était en présence du groupe de prisonniers de Nova Kasaba, un musulman qui faisait partie de cette masse de personnes a été tué par balle en présence de Mladic. La police militaire de Nova Kasaba a commencé à faire des listes de musulmans ce jour-là. Cependant, lorsque Mladic est arrivé pour parler à ce groupe, il a donné l'ordre à la police militaire d'arrêter de dresser ces listes. Donc, indication très claire qu'il n'y aurait pas d'échange. Et comme tous les autres se trouvant le long de la route, tous les hommes de Nova Kasaba ont été transportés à Bratunac, puis jusqu'à Zvornik, et c'est là qu'ils ont tous été assassinés. Le président, dans les quelques minutes qui suivent, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, trouver un moment qui vous semble opportun pour faire une interruption d'audience? Monsieur Maklowski, oui, nous pouvons le faire. Le président, nous ferons une pause et nous reprendrons à 11 heures.